Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Son Excellence, Monsieur Sejahan Azzi, représentant le Président de la République, Son Excellence le Général Michel Aoun, et représentant le Président du Conseil, Son Excellence Monsieur Tamam Salam, Monsieur le Député Henri Hallou, représentant le Président de l'Assemblée Nationale, Son Excellence Monsieur Nabi Birri, Sa Béatitude, le Cardinal Marbchar Aboutros Rai, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Sa Béatitude, Marc Ricord, Patriarche des Arméniens catholiques. Son Excellence, le Nonce Apostolique, Monseigneur Gabriel Ekatcha, Excellence. Révérends Pères, Frères et Sœurs, chers amis. Au nom du très révérend Père Arturo Sosa, notre supérieur général, et de tous les jésuites au Liban, au Proche-Orient et dans le monde, je vous salue cordialement et vous assure de la gratitude de la Compagnie de Jésus devant cette expression de fraternité que vous nous offrez en vous associant à nous dans cette messe d'adieu au très révérend Père Peter Hans Kolvenbach. Nous l'avons connu comme frère et supérieur, comme ami, comme conseiller. Nous savons que chacun de nous avait sa place dans sa mémoire phénoménale. Son attention délicate était sa façon de montrer sa fidélité à ses prochains. Votre présence aujourd'hui marque la fidélité en retour, fidélité du Seigneur envers son humble serviteur. Notre Eucharistie est célébrée dans le rite latin en langue française, qui a été la langue de cœur du Père Kolvenbach. Mais une prière en langue arménienne évoquera son attachement à l'Église qu'il a accueillie comme fils adoptif. L'homélie dite par le Père Général en espagnol rappellera le ministère global qui fut le sien quand il dirigeait pendant 25 ans la Compagnie de Jésus. Les lectures sont celles de la fête de l'apôtre Saint André, que Peter Hans a toujours fêté le jour de son anniversaire, le 30 novembre. Mais c'est surtout dans l'union des cœurs et d'esprits que le Père Kolvenbach a voulu servir en rassembleur des hommes. C'est dans cet esprit que nous sommes invités à entrer dans cette célébration. Nous sommes réunis pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. Nous sommes réunis pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie du Père Peter Hans Kolvenbach et lui demander de l'accueillir. Nous ranimons cette flamme près du Père Peter Hans Kolvenbach, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Thank you.
Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour le Père Peter Hans Kolvenbach et pour chacun de nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe pécheur, par amour pour les pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, le Père Peter Hans Kolvenbach, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si
de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur. Si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles ». Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? » Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en livre le message, la nuit à la nuit en donne connaissance. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de mots, ni de voix qu'on puisse entendre. Ce qu'il proclame a retenti par toute la terre, et leurs paroles jusqu'au bout du monde.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, et c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Queridos hermanos y hermanas, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia. La frase del profeta Isaías, podemos sentirla como parábola de la vida del padre Peter Hans Kolfenbach. Una profunda experiencia de Dios marcó su vida desde joven. En ella encontró al mismo Señor que se paseaba junto al lago y llamó a Pedro, Andrés, Juan y Santiago para cambiar sus vidas y convertirlos en pescadores de hombres, en testigos de la presencia de Dios en la vida y en la historia humana. En su contacto permanente y familiar con el Señor, escuchó la llamada, se puso en camino. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1948 y desde 1958 enlaza su vida con el mundo árabe, aquí en el Líbano, donde permanecerá sembrado en la tierra como la semilla que muere para dar fruto en abundancia.
dotado de una inteligencia privilegiada, acompañada de una memoria precisa, el padre Kolfenbach se sumerge en los estudios de lingüística con pasión y dedicación. Una pasión que nunca lo abandonó. Su dedicación a la lengua y literatura armenias son encomiables, así como su deseo de expresarse bien en cada lengua para hacer llegar el mensaje del Evangelio a todo aquel con quien se ponía en contacto. Sus homilías y exhortaciones espirituales nos llevaron de la mano a la escucha de la palabra de Dios, a descubrir el mensaje de salvación y adherirnos a él por la fe. Su corazón creyente en Jesucristo, entregado hasta la muerte en la cruz y resucitado de entre los muertos, se expresaba a través de sus labios para proclamar que Jesús es el Señor, de tantas maneras apropiadas a cada momento de su larga y fecunda vida de mensajero. La familiaridad con el Señor del padre Kolfenbach, adquirida en largos y frecuentes ratos de estar a solas con él, de contemplar su vida y modo de proceder, es la fuente de su libertad interior y también de su audacia apostólica. Peter Hans Kolfenbach era un hombre libre, mejor aún, un hombre liberado interiormente por la acción del Espíritu Santo. Desde esa libertad interior, escogió ponerse todo entero al servicio de la Iglesia, que se abría a los nuevos tiempos del mundo con el Concilio Ecuménico Vaticano II. Hombre de Dios, guiado por el Espíritu, el padre Kolfenbach es también un hombre de Iglesia, comprometido a fondo con el proceso de ponerse al día para proclamar la buena noticia en el que en las específicas condiciones del mundo que se hace aldea global, en el mundo en el que las desigualdades oscurecen la revelación del rostro paterno y misericordioso del Dios que puso en manos de la humanidad la posibilidad de la vida fraterna entre gentes y pueblos que en su variedad expresan la multiforme sabiduría de su Creador. Para nosotros, los jesuitas, se ha hecho cercana la expresión fidelidad creativa, acuñada por el padre Kolfenbach, para expresar su propia audacia apostólica y la tensión en la que sentía se desarrollaba el servicio de la Compañía de Jesús a la Iglesia para hablar de Cristo en todos los rincones de la tierra y en todos los pliegues de la historia. Durante una buena parte de su vida, casi 25 años, el padre Kolfenbach fue nuestro padre general. Quisiera subrayar la palabra padre, porque es la que mejor expresa el modo
como experimentamos su servicio a la cabeza del cuerpo de la compañía. Kolbenbach fue padre sin dejar en ningún momento de ser hermano, en su estilo de acogida cercana a cada uno, en su modo respetuoso y atento de escuchar a cada jesuita, a cada persona. Padre, padre en su capacidad de engendrar vida. En tiempos difíciles sirvió al Santo Padre con lealtad. Fue fiel a la Iglesia e impulsó el caminar de la Compañía de Jesús al servicio de la fe que promueve la justicia del Evangelio. Padre, que nos abrió al diálogo con los otros, haciéndonos conscientes de cómo compartimos con tantos otros la misión de anunciar el Evangelio y contribuir a hacer de este mundo la casa común. Padre, que nos abrió también al diálogo con las culturas, con las religiones y con las diversas tradiciones existentes en la Iglesia. Peter Hans Kolbenbach conoció profundamente el cuerpo de la Compañía de Jesús. Tuvo un amor apasionado por la compañía que experimentaba en términos ignacianos como su camino hacia Dios. Desde su amor a la compañía, animó a los jesuitas a descubrir la belleza del camino al que nos llama el Señor para llegar a Él unidos a todos los seres humanos. Desde una profunda admiración por la vida y obra del padre Kolbenbach, desde el inmenso afecto que suscitó en mí, como en tantos hermanos y hermanas con los que se encontró en su vida, los invito a vivir este momento como acción de gracias al Señor. Acción de gracias al Señor que ha sido grande con nosotros al regalarnos una persona como Peter Hans Kolbenbach. Agradecidos porque lo tendremos siempre con nosotros. Peter Hans vive ya la vida de Dios. Ha pasado de la muerte a la vida porque amó a sus hermanos y hermanas. Vive la misma vida que Papa Dios le regaló al Señor Jesús después de su muerte en la cruz. La Pascua del Padre Kolbenbach nos habla otra vez de Cristo y nos asegura su intercesión solidaria con los esfuerzos de la Compañía de Jesús y de toda la Iglesia por seguir escuchando como San Andrés Apóstol, cuya memoria hacemos hoy, la llamada del Señor para dejarlo todo y seguir proclamando el mensaje de salvación. Que así sea. Les paroles qu'a adressées le Père Général en français sont les suivantes. Qu'ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne nouvelle. Nous pouvons ressentir le verset du prophète Isaïe comme une parabole de la vie du Père Peter Hans Kolbenbach. Depuis sa jeunesse, sa vie a été marquée par une profonde expérience de Dieu. Au cours de sa vie, il a rencontré ce même Seigneur qui cheminait sur le bord de la mer de Galilée et appela Pierre,
André, Jacques et Jean, à changer leur vie pour devenir des pêcheurs d'hommes et témoigner de la présence de Dieu dans la vie et dans l'histoire humaine. Grâce à sa relation régulière et constante avec le Seigneur, il entendit l'appel, se mit en chemin et entra dans la compagnie de Jésus en 1948. Dès 1958, il lia sa vie à celle du monde arabe, à partir d'ici, du Liban, comme la semence jetée en terre qui meurt pour donner du fruit en abondance. Doté d'une intelligence particulière ainsi que d'une mémoire remarquable, le père Kolfenbach se donne aux études de linguistique avec passion, une passion qui ne l'abandonnera jamais. Son dévouement à la langue et à la culture arménienne, tout comme sa maîtrise des langues, soulignait son désir de faire parvenir le message de l'Évangile à tous ceux avec lesquels il se mettait en contact. Ses homélies et exhortations spirituelles portaient ceux qui l'écoutaient à l'accueil de la parole de Dieu, afin d'y découvrir le message de salut que cette parole contient et d'y adhérer par la foi. Son cœur de croyant en Jésus-Christ, ce Christ qui se livre à nous jusqu'à la mort en croix et qui ressuscite d'entre les morts, s'exprimait par ses lèvres pour proclamer que Jésus est le Seigneur tout au long de sa longue et féconde vie de messager. La familiarité du père Kolfenbach avec le Seigneur, acquise à travers de longs et fréquents moments de solitude passés en sa présence et de contemplation de sa vie et de sa manière de procéder, est la source de sa liberté intérieure et de son audace apostolique. Peter Hans Kolfenbach était un homme libre. Plus encore, un homme que l'action de l'Esprit-Saint a libéré intérieurement. C'est à partir de cette liberté intérieure qu'il choisit de se mettre entièrement au service de l'Église qui s'ouvrait à notre monde au temps du Concile œcuménique Vatican II. Homme de Dieu, conduit par l'Esprit, le père Kolfenbach est également un homme de l'Église, engagé à fond dans le processus de mise à jour de l'Église pour proclamer la bonne nouvelle dans les conditions spécifiques de notre monde devenu un village global. Dans ce monde, les inégalités obscurcissent la révélation du visage paternel et miséricordieux du Dieu qui remet la possibilité de la vie fraternelle entre les nations et les peuples entre les mains de l'humanité qui, en sa diversité, exprime la sagesse multiforme de son Créateur. Pour nous autres jésuites, l'expression « fidélité créatrice » forgée par le père Kolfenbach lui-même pour exprimer sa propre audace apostolique et la tension qu'il ressentait en mettant la compagnie au service de l'Église et en parlant du Christ dans tous les recoins de la terre, ainsi que les replis de l'histoire, cette expression est devenue une expression familière. Durant une bonne partie de sa vie, pendant près de 25 ans, le père Kolfenbach fut notre père général. J'aimerais souligner le mot « père » parce qu'il est celui qui exprime le mieux la manière dont nous avons fait l'expérience de son service à la tête du corps de la compagnie. Père, sans manquer d'être à aucun moment un frère, par la proximité dont il accueillait chacun, par son écoute respectueuse et attentive de chaque jésuite et de toute personne. Père, par sa capacité d'engendrer la vie. Par des temps difficiles, il a servi le Saint-Père avec loyauté. Il fut fidèle à l'Église et il sut impulser la compagnie de Jésus sur les chemins du service de la foi et de la promotion de la justice de l'Évangile. Un Père qui nous a incités au dialogue avec les autres, nous faisant prendre conscience de la manière dont nous partageons avec beaucoup d'autres la mission de l'annonce de l'Évangile et dont nous contribuons à faire de notre monde la maison commune. Il nous a également ouvert au dialogue avec les cultures, les religions et les différentes traditions de l'Église. Peter Hans Kolfenbach
connaissait profondément le corps de la compagnie de Jésus. Il avait pour elle un amour passionné qu'il expérimentait en termes ignatiens comme son chemin vers Dieu. À partir de là, il encouragea les jésuites à découvrir la beauté de la voie à laquelle le Seigneur nous a appelés pour parvenir jusqu'à lui, unis à tous les êtres humains. Partant de cette profonde admiration pour la vie et l'œuvre du Père Kolvenbach et de l'immense affection qu'il suscita en moi, comme en tant de frères et sœurs qu'il a rencontrés durant sa vie, je vous invite à vivre ce moment comme une action de grâce au Seigneur qui s'est montré généreux envers nous en nous gratifiant d'une personne comme Peter Hans Kolvenbach. Nous nous sentons reconnaissants parce que nous l'aurons toujours auprès de nous. Peter Hans vit déjà de la vie même de Dieu. Il est passé de la mort à la vie parce qu'il a aimé ses frères et sœurs. Il vit de la vie que Dieu le Père a redonnée au Seigneur Jésus après sa mort sur la croix. La Pâque du Père Kolvenbach nous parle une nouvelle fois du Christ, en nous assurant de son intercession et de sa solidarité avec les efforts de la Compagnie de Jésus et de l'Église pour continuer à écouter, comme l'apôtre saint André, l'appel du Seigneur à tout quitter pour suivre et proclamer le message du salut. Avec le Père Peter Hans Kolvenbach, présentons au Seigneur nos prières aux intentions qui furent les siennes durant sa vie parmi nous. À l'unité de la communauté humaine, qu'elle soit lumière dans le monde et obtienne l'accomplissement intégral de l'être humain. Prions le Seigneur. For the Society of Jesus, that she always remains faithful to the spirit of Saint Ignatius, Loyola and committed to the service of all, let us pray to the Lord. الأب كولفنباخ لكي يجني ثمن أتعابه الكثيرة في سبيل مجد الله وخير النفوس فرحا وتعزيا إلى جانب الإبن الإلهي الذي أراد دوما خدمته إلى الرب نصلي.
لأجل السلام في لبنان وفي العالم كله. هب لنا يا رب أن نغلب منطق التفاهم على منطق الحرب، وروح الغفران على روح الانتقام. إلى الرب نصلي. Qui aime tous les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur, le Père Peter Hans Kolvenbach. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons la puissance de ton amour en chantant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. » qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Prenez la
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque César, les patriarches et les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Ricordati del nostro fratello Peter Hans, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della tua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, Sant'Andrea Apostolo, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous donnons un signe de la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps le sang du Christ le garde pour la vie éternelle. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder vos places jusqu'à ce que les prêtres qui vont donner la communion se mettent à leur place pour la communion. Donc, بدأتلو منكم خوتين وتبقوا مطرحكم لحديت ما الأباء يلي رح يعطوا المناولة يوصلوا لمطرحهم.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le Père Peter Hans Kolvenbach. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Père a adressé au révérend Père Arturo Sosa Abascal, préposé général de la Compagnie de Jésus. Ayant appris la triste nouvelle du pieux départ du révérend père Peter Hans Kolvenbach,
ancien préposé général de la Compagnie de Jésus, je voudrais vous exprimer, ainsi qu'à la famille et à toute la Compagnie de Jésus, mes plus sincères condoléances. En rappelant la fidélité intègre du Père Kolbenbach au Christ et à son Évangile, accompagné d'un engagement généreux, avec un profond esprit de service dans l'exercice de sa charge pour le bien de l'Église, j'élève mes prières de requiem, invoquant la divine miséricorde, la paix éternelle pour son âme. Présent spirituellement aux obsèques, j'accorde de tout cœur à vous, aux confrères et à tous ceux qui partagent la tristesse de ce départ, ma bénédiction apostolique. Pape François. En esprit de fidélité et d'hommage, sa béatitude le patriarche Krikor et mes frères les évêques maronites ici présents et moi-même participons à cette sainte messe de requiem pour le repos éternel de l'âme du très cher et révérend père Peter Hans Kolbenbach, supérieur général émérite de la Compagnie de Jésus. Au nom de notre Église et de toute l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques du Liban, nous exprimons nos cordiales condoléances au très révérend Père Arturo Sosa Abascal, nouveau supérieur général de la Compagnie, au révérend Père provincial du Proche-Orient, et tous les pères jésuites du Liban, de la province, ainsi qu'aux membres de la famille du regretté père Kolbenbach. C'est la fidélité à une personne exceptionnelle qui avait dans son cœur un grand amour pour le Liban, pour les Libanais et pour les églises orientales. Père Kolbenbach a beaucoup donné à nos prêtres et séminaristes, à nos jeunes étudiants et aux anciens, aux grands et aux petits, durant les 24 ans qu'il a passés au Liban, comme étudiant de théologie d'abord et ensuite comme professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. De retour au Liban, après sa renonciation au gouvernement de la Compagnie de Jésus, à l'âge de 80 ans, il soutenait par sa prière notre pays et rayonnait par son exemple d'humilité, de sérénité, de joie, de paix et de travail intellectuel assidu. Nous lui rendons un grand hommage pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Il est une personne religieuse, pieuse, humaniste et académique exceptionnelle à tout point. Béni soit le Seigneur qui lui a prodigué tant de talents et de charismes. Son amour pour l'Orient l'a conduit à adopter le rite arménien pour la richesse de son héritage spirituel, théologique, liturgique et linguistique. Son attachement au Liban apparaissait dans sa manière de suivre les détails des événements qui l'ont ensanglanté. Qui de nous, de passage à Rome, n'était pas invité à son aimable table et remarqué sa préoccupation pour le Liban et son espérance? Quel courage et quelle tranquillité nous puisions de ces rencontres fraternelles. Le très regretté père Kolbenbach récapitule la fidélité et l'hommage
de l'Église et du Liban que nous rendons aux chers et estimés pères jésuites pour leur mission religieuse, ecclésiale, culturelle, spirituelle et pastorale depuis leur première arrivée au Liban il y a presque 4 siècles. Leurs différentes institutions dans diverses régions de notre pays en sont les témoins éloquents. En priant pour le repos éternel de notre cher père Peter Hans Kolfenbach, nous prions aussi pour la méritante Compagnie de Jésus et pour la réussite du mandat du très révérend père, le nouveau supérieur général et son conseil généraliste. Le tout pour la gloire de Dieu. S'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a célébré le repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qui reçoivent en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec lui à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous quelques instants dans cette espérance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue. Ils écoutent. Sur son visage.
exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Et de toutes mes frayeurs, il me délivre. En signe de respect pour vous, Père Peter Hans Kolvenbach, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, vous savez sans doute que le père Peter Hans Kolvenbach avait adopté le rite arménien. Il célébrait chaque matin la messe en rite arménien et priait son bréviaire en arménien. En témoignage de reconnaissance, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cet ami qu'il a donné à l'Arménie et aux Arméniens. Et nous voudrions chanter un petit chant liturgique du Requiem et une prière pour le repos de son âme, pour celui qui a été notre grand ami et qui est maintenant au ciel notre grand intercesseur. Thank you.
Հոգվոհան կուցելույս Քրիստոս Աստված, առանքիստ և որմություն և մեզ միավորածս շնորյաս տողություն անցանաց։ Եվ եվս խաղաղությանս դեր աղաչես ծուկ, վասն անկությալ հոգվույս աղաչես ծուկ ըսպրգիչն մեր Քրիստոս, զիս սա ընդարտաս ընդասես է, եվս մեզ գեցուս է, շնորի ողորմության յուրո, ամենագալ դեր աստված մեր, գեցո և ողորմյա։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստուծո անոխագալ և բարեկութ, կտակ ու առաջական սիրովդ, Եոքի ծարայիկու Պիտր Հանս Կոլվենբախի, հիշյա ավուր մեծիկալստյան արկայությանքու, առարժանի ողորմության, կաբության և տողության մեած, տասավոր եալ բայց ծարածոն ծուրպս կու հաճագովում անտասուն, զիտու ես դեր և առարիչ ամենեցուն, տադավոր գենտանյած և մերելոց, և կեզ վայել է պարկ իշխանություն և ադիվ, այժմ և միշտ և ավիդյանը սավիդենից ամեն, օրնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսցե արքայությունքո, Եղիցին գամքո, որպես երգինս և երգրի, ըզհաց մեր հանաբազոր, դուր մեզ այսօր, և տող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ տողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրզ մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք ավիդյանս ամեն, Քրիստոս Աստված մեր, որ միա համորեն ընչեցելոց հոգվոցն, մանավան թոգվո հանկուցելույս Պիտր Հանս Կոլվենբախի զիանքի ցենի խաղաղության, ամեն։ Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos le Père Peter Hans Kolvenbach, dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, j'ai quelques annonces à vous faire. Je vais vous demander de garder vos places, s'il vous plaît, dans l'église. La dépouille du père Peter Hans Kolvenbach sera accompagnée jusqu'au cimetière pour la mise en terre par ses compagnons jésuites. Pendant ce temps, nous allons donner l'occasion à leur béatitude les patriarches, aux éminences les évêques et aux officiels de présenter leurs condoléances ici même dans l'église. Et nous allons nous autres nous retrouver dans le salon du collège qui se trouve à droite en sortant de l'église. Peter Hans Kolvenbach, إخوتو اليسوعيين على المدافن بهالوقت رح أطلب من غبطة البطاركة ومن سيادة المطارين ومن الرسميين أنه يقدموا تعازيهم هون بالكنيسة نحن رح نلتقي بسالون المدرسة أول ما تطلعوا من الكنيسة على اليمين مرسي قبل ما نفترق بدي أقول كلمة شكر لحضوركم جميعا معنا كلمة شكر خاصة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون يلي شرفنا بحضور ممثل معالي الوزير السجعان أزي وأيضا لدولة الرئيس نبيه بري دولة الرئيس تمام سلام لشعورهم معنا بهالوقت ولحضور الممثل أيضا بدي أشكر أصحاب الغبطة صاحب الغبطة والنيافة يلي دايما بيعبر عن محبته وصداقته لألنا صاحب الغبطة كمان حاضر معنا بهالوقت المهم لألنا وسيادة سعادة السفير البابوي وأيضا كل أصحاب السيادة كل الأباء والأخوات يلي عرفوا أبونا كولفنباخ واشتغلوا معهم شكرا لكم شكرا لصداقتكم وحضوركم.
tu vas avec.